présentation d'un programme interactif ancien sur l'apprentissage du calcul littéral ici, apprendre à développer avec les identités usuelles, dites aussi remarquables, qui sont rappelées. Série 1, a plus b le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Rouge plus bleu le tout au carré, c'est rouge au carré plus 2 rouges bleus plus bleu au carré. Si on veut entendre un peu de musique, c'est rouge rouge plus 2 rouges bleus plus bleu bleu. Application avec le rouge c'est Z et le bleu c'est 4. Donc j'écris dans le rouge Z, 2 par rouge Z par bleu 4 plus bleu au carré, bleu 4 à élevé au carré. On réduit z carré plus 2 fois 4, 8 z plus 4 au carré, c'est 16. Exact, continuer. De la même façon, l'identité est rappelée. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Avec A, au hasard de l'ordinateur, c'est appelé D. Et B, c'est 7. On a donc ce résultat. D carré moins 2 fois 7, 14. D plus 7 au carré, c'est 49. De la même façon, la troisième identité est rappelée. A plus B, A moins B, c'est A carré moins B carré. Avec le premier nombre rouge A, c'est C ici. Et le second nombre bleu, c'est 7 ici. C'est donc C au carré moins 49. La série 3 par exemple. Alors le nombre rouge c'est cité. Il faut bien comprendre que c'est cité le tout à élever au carré. Pour distinguer cité carré et cité le tout au carré. Ici c'est cité le tout au carré. On écrit entre parenthèses cité. Pour le bleu. Le rouge plutôt, et le bleu c'est 6. Alors, cité au carré, truc au carré, c'est truc par truc, cité par cité, c'est 36 t carré. 2 par 6, c'est 2 fois 36, 72, plus 72 t. Plus 6 fois 6, 36. De la même façon avec A moins B, le tout au carré. Alors c'est le bloc à considérer ici, 5C. Et le nombre bleu, c'est 2. On arrive à 25C carré moins 4. Et passant. Alors il faut prendre moins 2 par 5 par 2, c'est moins 2, 10, c'est moins 20C plus 4. Alors, on est invité à recommencer avec cette identité. Entre parenthèses, 8D et 4. Donc, 64D carré moins 16. Bon, je prends par exemple la dernière série 5. Alors c'est moins 6z à considérer si on veut utiliser cette identité.
J'écris donc entre parenthèses moins 6z. Moins 6z encore. Et 9n. Alors c'est entre parenthèses 9n si on veut être précis. Et là, c'est 9n le tout au carré. Alors, moins 6z par moins 6z, c'est 36z au carré. Un carré est toujours positif. C'est 36z carré. 2 par moins 6 par 9, ça fait moins 2 fois 54, c'est-à-dire moins 108. Zn plus 9n au carré, c'est 81n au carré. Alors avec un a moins b le tout au carré, même traitement en changeant de signe évidemment. Moins 6x apparaît en rouge et en bleu, c'est le bloc 9M ici. Ce qui fait 36x carré. Alors 2 fois 54 avec 2 signes moins, c'est plus 108 xm. Alors on écrit xm ou mx plus 81m carré. Alors avec cette identité, on a le bloc moins 3D qui intervient. Moins 3D. Et le bloc 6N ici. Ce qui fait 9D carré. Moins 36 n carré. Bon, cet exercice en flash interactif est à reprendre avec un papier et un crayon. De nombreux exercices sont nécessaires pour maîtriser le calcul littéral. Alors, en appuyant sur le lien qui est sous la vidéo.